Je vous retrouve aujourd'hui sur notre plateforme d'essai Tournesol à Villers-en-Haye et plus spécialement sur notre essai bord. Il y a 5 jours, mes collègues ont appliqué les modalités de l'essai, ici même. L'objectif de Terrinovia est d'actualiser ses références sur les carences en bord et l'identification des situations à risque. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à apporter du bord sur vos tournesols, notamment en situation de sol superficiel, dans tous les sols calcaires ou en situation de mauvais enracinement. Gardez en tête que le tournesol absorbe l'essentiel du bord entre 10 feuilles et début floraison. Lorsque l'on voit les carences en végétation, il est trop tard pour intervenir. Le mal est fait. Les carences s'observent généralement sur les jeunes feuilles en haut des plantes à partir de la floraison. On peut observer dans ces cas-là des griures sur les feuilles. Dans les cas les plus extrêmes, on peut rencontrer des ruptures de capitules, mais c'est extrêmement rare. La nuisibilité des carences en bord avoisine les 4 à 5 quintaux hectares. Terrinovia recommande d'apporter 300 à 500 g de bord par hectare entre le stade 10 feuilles et le stade limite passage tracteur avec un volume de bouillie important supérieur à 200 litres hectare.